Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Heavy Rain sur la PlayStation 4. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, on a fait une petite boulette. On a perdu l'ami Norman. Est-ce que ça va? J'espère que ça ne sera pas trop préjudiciable. Je devais tuer un homme. Je n'ai pas pu. Vous n'êtes pas le tueur aux origami, Ethan. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. J'en ai la preuve. Qu'est-ce que ça change? Tout ce qui compte maintenant, c'est de sauver Sean. Calme-toi, calme-toi. Je ne peux pas. Pas maintenant. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Enfin, je vais y aller. J'ai plus rien à faire ici. Je vais rentrer chez moi. Je crois que c'est 203 elle. Hein. 201. Ah non, elle veut rentrer. Mais elle aussi, elle fait le truc des bras là. Normalement, c'est par ici. Hein. Les escaliers là, ils sont par là. Là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Voilà. Elle va rentrer chez elle. Bon, il pleut beaucoup, hein. Le gamin. Je crains le pire pour le gosse. Allez, où ça va être? Oh là! Voilà. Merde. Les flics, ils sont venus pour Ethan. Ils vont cerner la chambre et donner l'assaut. Quelle chambre? Merde, c'était quoi déjà le numéro? 107. Bon. Allez, réponds! Je t'en prie, réponds! Oui. Les flics, ils sont dans le motel. Il faut que tu partes tout de suite. Oh, j'ai fait! Dépêchez-vous! Il va s'échapper! Il s'enfuit! Attrapez-le! Il se barre par le balcon. Oh non! Mais non! Mec. On est sur une course tout de suite, ça va être relou, je vais rater le truc, je le sens. Il faut faire des choix. Hop là, là. Ah, c'est rond, c'est rond, c'est rond. Merde. Ah, j'ai raté. Yes!
c'est raté, hein. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai fait des erreurs, mais... Lieutenant, je le tiens. La partie est terminée. Ah bon, bah... ouais. On a raté peut-être des choses, je sais pas. Mon fils va mourir. Vous devez le sauver. Je vous en prie. Sauvez mon fils. Je vous en supplie. Vous êtes ma dernière chance. Sauvez mon fils. Ah, et puis le seul allié qu'il avait... J'ai des doutes quand même. Après, c'est peut-être dans les choix de monter, descendre, aller à droite, en bas, à gauche, qu'on a fait des erreurs. Mais sinon, le QTE était ouf. Putain, ça passe vite là, j'aime pas trop ça. Ça tourne. Sur ces deux dernières vidéos, ça tourne au drame là. Ren ? Je suis désolé, Scott. Vous auriez dû m'écouter, monsieur Shelby. Je vous avais dit de laisser tomber cette enquête. Votre fils est un tueur en série. Combien de personnes faut-il encore qu'il tue pour que vous le dénonciez ? Gordy a ses défauts, mais c'est mon fils. Vous n'avez pas d'enfant, monsieur Shelby. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne me laissez pas le choix. Sérieux ? Je vais devoir clore votre enquête. Oh ! Définitivement. Ouais, ça va trop vite, là. Il se passe trop de choses d'un coup, là. Merde. Non. Non, 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 non. Non, il faut qu'on s'en sorte, là. C'est la merde, là. Allez, tourne. Tourne, 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 tourne. De l'autre côté. Lorraine. Lorraine, réveillez-vous. Lorraine. Allez, Lorraine. Réveille-toi, Lorraine. Ça va péter, Lorraine. Allez, mon gars. Non, merde. Quoi? J'ai fait là. Mais... Ah, faut appuyer plusieurs fois, autant pour moi. Allez, mon gars. Allez. Voilà. Lorraine. Tu la détaches, mec. R1. Et là. Tu la détaches pas avant? C'est un peu con, Moi, je l'aurais détaché avant. Non? Il se barre? T'es sérieux? Elle était morte? Elle était morte? Tu fais une connerie? Merde! Oh là là, tout part en couille là! Je vais te crever. Ça part en couille là, il y a tout qui part en couille! Les chapitres sont beaucoup trop courts! J'aime pas ça du tout! Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Ça part en couille! Depuis deux épisodes là, on est en train de faire n'importe quoi! Aïe aïe aïe! Allez.
des choses. Yes! Oh là là! Putain, il est chaud le mec là. Ah, il est pas content. Ah, je sens que ça va être de l'action là. Action QTE quoi. Oh! 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 Oh, j'ai raté. Non, j'ai tapé la carré, là, je l'ai fait le carré. Merde. Il est chaud lui. Il a comme une balle dans son flingue. Oh, il est méga chaud. C'est quoi ce flingue là? Oh j'adore, elle était cool la séquence. N'approchez pas, n'approchez pas où je tire. T'en es pris à moi. À moi. Salopard, à cause de toi, Lorraine est morte. Arrêtez, arrêtez, je vous en prie. Non, de rien. Je m'en prie de rien. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. C'est ton taré de fils qui a tué ses enfants. C'est lui le tueur aux origamis. Non, non, il est innocent, c'est pas un assassin. Alors c'est qui? C'est pas un assassin. Hein, c'est qui? C'est qui? Réponds. Je suis en train de m'énerver sur la manette là. Espèce d'enfoiré, tu vas me dire la vérité. Non, je vous en prie, ne me faites pas de mal. Dernière chance. Je sais rien, je le suis. Menteur. Je sais rien du tout. Menteur, tu mens. Réponds. Arrêtez, arrêtez. Réponds. J'en supplie, je vais vous dire tout ce que je sais. Ah. Gordy. S'amuser? Il voulait juste s'amuser. Il voulait copier le tueur aux origamis. Il a enlevé ce gamin. Il lui a mis la tête sous l'eau un peu trop longtemps. Tu te fous de ma gueule? C'était un accident. Un regrettable accident. Il voulait juste jouer. Il m'a avoué. Il était en larmes. Il regrettait tellement ce qui s'était passé. Tu te fous de ma gueule? Quoi qu'il ait fait, Gordy. Gordy est mon fils. Personne ne le regrettera. Quoi? Le petit gars que Gordy a tué ne manquera à personne. Quoi? Pauvre nègre, comme il y en a des milliers. Quoi? T'es qu'une putain d'ordure. Mets-lui une balle! Bute-le, putain! John Shepard, pourquoi est-ce que tu fleuris la tombe de ce gamin? J'étais propriétaire du chantier où il est mort. Je n'ai jamais oublié. Ça fait maintenant 30 ans que je fleuris sa tombe. Mmh. Et le frère jumeau de John, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Il a été adopté, je crois. Pas par toi? Sa mère. Sa mère doit savoir. Elle s'appelle Anne. Anne Shepard. Foulez-en une! Foulez-en une, putain! Cette fille, Lorraine, c'était qu'une putain. Putain, mais dégueu. Vous l'oublierez vite. Venez travailler pour moi, Shelby. Je vous paierai bien. Déglingue-le. Vous aurez toutes les filles que vous voudrez. Déglingue-moi, cet enfoiré. Ne prononce plus jamais son nom. Tu m'as entendu? Jamais. Mais déglingue-le, putain! Mais si j'ai le choix, je le déglingue.
gueule. Laisse le clamser. Vite. Les pilules. Non. Dans le que dalle. Là. Que dalle, je vois. J'en ai rien à prendre. Je me barre. Je le laisse. Shelby, revenez. Je vous l'ordonne. Tu m'ordonnes que dalle, espèce d'enfoiré, va. Revenez. Non, mais il a cru quoi, lui? Il a cru quoi? Oh là là, ça s'enchaîne. C'est un truc de fou, là. Ça s'enchaîne trop, là. On est en train d'enchaîner les chapitres, là, c'est un truc de malade. Là, Madison, qu'est-ce qu'elle va nous faire, elle? Où est-ce qu'elle est, là? Aux urgences. Qu'est-ce qu'elle vient faire, là? Il y a le corona, là. Bonjour, je cherche la chambre d'Anne Shepard. Signez le registre, s'il vous plaît. Vous êtes de la famille? Oui, en quelque sorte. Oh, ça lui fera plaisir d'avoir de la visite. Personne ne vient jamais la voir. Elle n'a plus toute sa tête à cause de la maladie d'Alzheimer, merde. Mais ça lui fera plaisir quand même, vous savez. Merde! Alzheimer! C'est la chambre 19, au bout du couloir. Ah, putain! Merci. J'espère qu'elle va se rappeler de quelque chose. Les orchidées. Il y avait des orchidées, j'ai pas rêvé. Bonjour, Madame Shepard. Est-ce que c'est déjà l'heure de mon médicament? Oh la vache, elle est barrée. Non, elle est barrée. Madame Shepard, ils ne sont jamais à l'heure pour mon médicament. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Dans l'autre hôpital, ils étaient ponctuels. Mais ici... Je m'appelle Madison Page. Je suis journaliste. Je voudrais vous poser quelques questions sur votre fils. Je n'aime pas cet hôpital. Oh, elle est barrée. Ce qu'ils servent à manger n'est pas très bon. Oh, ça va être complicado, hein. Votre autre fils, Madame Shepard, le frère jumeau de John, comment s'appelait-il? Mon autre fils? Quel autre fils? Je n'ai jamais eu d'enfant. Oh, la vache! Essayez de vous rappeler, Madame Shepard. Le frère jumeau de John a été confié à une famille d'accueil après l'accident. Vous vous souvenez du nom de la famille d'accueil? J'ai demandé à voir la télévision. Mais ils ont dit que je n'avais pas assez d'argent. C'est dommage. J'aime bien la télévision. Bordel de merde. Vous avez eu un fils, John. Et John avait un frère jumeau. Vous avez mon médicament? C'est l'heure de mon médicament. Putain. Je sais ce qui s'est passé à Carnaby Square. Est-ce que vous vous rappelez? Carnaby Square? Je crois que j'ai habité là-bas il y a longtemps. Oui. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, vous savez. On devait se contenter de peu pour vivre. Vous vous souvenez de John? Mon petit John, c'est un brave gamin, vous savez. Madame Shepard, votre fils pourrait être lié à une affaire de meurtre. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Vous êtes une nouvelle infirmière? Oh la vache! Comment? Je crois que votre fils a des problèmes. Il a fait des choses très graves.
Il faut absolument que je le retrouve. Vous me comprenez? Des choses graves, ça oui. Il n'est jamais venu me voir, vous vous rendez compte? En 10 ans, jamais. On n'oublie pas sa mère comme ça, n'est-ce pas? Oh là là, elle est barrée. Chier, putain. Attends, on va fouiller. Ben, ce voilà. Sont vos enfants, Madame Shepard? John et son frère. N'est-ce pas? De gentils gamins. Leur père ne s'occupait jamais d'eux. Toujours à picoler. Ils n'ont pas eu la vie facile, ça non. Il y avait une histoire de fleurs aussi, j'ai vu. On dirait que vous ne recevez pas souvent des fleurs. Il y avait des orchidées. Non, pourtant je les adore. Mon fils sait que j'adore les fleurs. Il y a des orchidées dans le... Je sais qu'il va venir m'en apporter. Ouais. Attendez, bougez pas. Il y a des orchidées dans le... Putain. C'est vous qui fabriquez ces origamis? Mes petits animaux en papier. Ils jouaient avec pendant des heures. J'ai appris à mes garçons à en faire, vous savez. Oui, vos garçons, Madame Shepard. John et... Comment s'appelait votre autre fils, déjà? Mon autre fils? Je n'ai eu qu'un fils. Mon petit John. Non, et l'autre? Bon, attends, les fleurs. J'ai vu les orchidées dans le couloir. Là-bas. Les orchidées. Ça va lui faire revenir la mémoire. Est-ce que Madame Shepard raconte des souvenirs parfois? Ça n'arrive que rarement. Parfois, des bribes de souvenirs lui reviennent. Quand elle voit un objet ou quelque chose qui lui rappelle son passé. Est-ce qu'elle a déjà parlé d'un de ses fils? Ses fils? Eh bien, elle parle souvent de John. Ouais, mais l'autre. Il est mort noyé, je crois. Oui, ça on sait, mais l'autre. Oui. Elle n'a jamais parlé d'un autre fils? Non, pas que je sache. Oui, bah, j'ignorais qu'elle en avait un autre. Bah oui, il y a un frère jumeau. Elle reçoit des visites de temps en temps? Ça fait 10 ans qu'elle est là et vous êtes la première. Merde. Pour l'aider à se rappeler, vous devriez lui montrer des choses qui lui rappellent son passé. Oui, bah l'orchidée. Vous obtiendrez peut-être une réaction. Merci pour le conseil. L'orchidée, ça va le faire, tu vas voir. Je sens que l'orchidée, ça va le faire. Regarde, mamie. Voilà une belle orchidée. Mes fils adoraient les orchidées. Ah, t'as dit mes fils? C'est qui l'autre? On a cultivé en pot. Quand John est mort. Oui. Je les ai jetés sur son cercueil. D'accord. Et putain. Ton fils, le deuxième. Putain, merde. Elle s'en rappelle pas. Je peux pas voir ces trucs. La télé. Ça sert à rien l'orchidée là. Hop, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ah, je vais lui faire ça. Attends, ok. On va lui faire un origami, ça va là.
J'adore les origami. Oui. Mais celui-ci n'est pas mon modèle préféré. Tu... D'accord, tu es en train de te foutre de ma gueule. Ton modèle préféré, c'est celui-là. Alors, on va essayer de le trouver. D'accord. Ok, il faut trouver l'origami. Punaise. Oh, c'est sacrément tordu. Non. 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 Ok. Allez. Je pense que c'est celui d'avant. Ah merde! Putain. Bah c'est lequel ton préféré? Parce qu'on a fait celui-là. On va essayer de faire celui-là. Allez, c'est parti. Là, celui-là. Ça te plaît celui-là? J'adore les origamis. Ouais. Mais celui-ci n'est pas mon modèle préféré. Ah ok. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre? Non, celui-là on connaît. C'est lequel que tu préfères? Le chien? Est-ce que t'aimes bien les chiens? Allez, on va essayer de faire un chien. Hop. T'aimes bien les chiens? Vous savez faire des petits chiens aussi? Oui. T'aimes bien les chiens? Mes enfants adoraient les origami. Tes enfants, voilà. Je leur avais appris à en faire. À John et? John les aimait beaucoup. Et l'autre? Ils voulaient toujours tous les baptiser Max. Max, Max, Max. Tous les chiens avaient le même nom. J'avais beau lui répéter qu'il ne pouvait pas les appeler tous pareils. Il n'avait que ce nom-là à la bouche, Max. C'est le nom du fils. Idiot, n'est-ce pas? C'est son fils. J'ai pleuré quand on me l'a pris. J'avais déjà perdu un de mes deux petits. Et voilà qu'on me prenait l'autre, vous comprenez? La famille d'accueil, Madame Shepard. Quel était le nom de la famille qui a adopté le frère de John? C'était des gens adorables, vraiment. Ouais, c'est qui? Il les a présentés. Au début, j'allais voir mon petit garçon. Dis-moi, dis-moi. Et puis, ça y est, je suis tombée malade. J'ai dû arrêter d'y aller. Je suppose qu'il a cru que je l'avais oublié. Ou que je ne l'aimais plus, le pauvre petit. Comment il s'appelait? Son nom, Madame Shepard. Quel était son nom? Mais je l'aimais. Oui? Si vous saviez seulement, il m'a manqué. Oui, comment? S'il vous plaît, Anne, son nom, quel était son nom? Elle va lâcher le morceau. Approchez. Elle va le dire, elle va le dire. Oula. Oh la vache, chassée. Oh, ça l'a choqué. Elle sait qui c'est. Incroyable. Oh là là, elle a le nom. Elle a le nom. Ah. Bouge pas, John. Je vais chercher de l'aide, on va te tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Bon, appelle-le. Je reviens tout de suite. Si elle l'appelle Ethan... Il s'appelle Ethan le gosse. Il va où?
s'appelle petit. Imaginez, il s'appelle Ethan. C'est-à-dire qu'on a, on avait résolu l'affaire depuis le début. Ça fera une bouche de moins à nourrir. Allez, s'il dégage. Te plaît, je t'en supplie. John va mourir. John va mourir, David, papa. Foutre le camp. T'as eu des crétins, ce mec. Je t'en supplie, papa. Il faut que tu sauves John. J'ai essayé, John. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il a pas voulu venir. Je veux pas que tu meurs, John. S'il te plaît. Oh la vache. Oh le traumatisme. Scott! Il s'appelle Scott! Scott! Non! Pas Scott! Attends, mais le seul Scott qu'on connaît, c'est le... C'est le détective privé! What? Ah, j'y crois pas. Mais non. Mais non. Attends, j'y crois pas là. Le détective. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ce... Attends, c'est... Alors là, ça, je m'y attendais pas du tout. Mais non... Mais non... Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Ah, bien joué. Ah, oh, je l'ai pas vu venir. J'y crois pas. Oh, j'y crois pas. Je suis choqué là. Putain, pour moi, c'était le gentil de la bande, quoi. Alors c'est lui qui tue les gosses quoi.
Mais non. Ah ouais, là D'habitude, je sens bien le truc, mais là je l'ai pas vu venir du tout. Mais... En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu de... De protagoniste, on va dire. C'est ça qui est... Oh là là, elle connaît, elle sait. Et elle y va. Attention s'il arrive. Non mais j'y crois pas, c'est n'importe quoi. Bon, je vous ai certainement coupé. Je sais pas si je vous ai coupé, mais j'en pouvais plus. C'était insupportable cette séquence. L'appartement du tueur aux origami. Il y a peut-être un indice de l'endroit où il a enfermé Sean Mars. Ah ouais, d'accord. Elle a pas lâché l'affaire. Faut trouver Sean. Bâtard. Putain, c'est un flic, je crois pas quoi. Un ancien lieutenant de police. C'est pour ça qu'il connaissait si bien les techniques des enquêteurs. Il en a été un lui-même. C'est de là que vient cette odeur de brûlé. Des preuves qui sont parties en fumée. Bâtard. La carte, non? Y'a rien sur la carte. Non. Ce sera un peu simple. Le petit, il est là. Un uniforme de flic. Voilà pourquoi les enfants le suivaient sans histoire. Il se faisait passer pour un policier. C'est là qu'on va regarder quand Sean a disparu. Et on va voir qu'il y a un flic, putain. On va voir qu'il y a un flic dans le parc. Vous allez voir un truc. Oh putain, il y a quoi là? Oh putain. Putain, c'est un taré. Non. Putain, elle est con. Merde, il y a un mot de passe. Orchidée. Je sais pas pourquoi. Incorrect. John. Il fait tellement de fixettes. Non, c'est trop fort. Putain. Pluie, Max. Max, disait toujours Max. C'était yes. Ça. Max, le nom que John donnait à ses chiens en papier quand il était petit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une adresse. L'endroit où Theodore Roosevelt. Mais je le dis depuis le début, putain. Mais vous êtes des débiles ou quoi? Depuis le début, je le dis. Oh putain, vite. Casse-toi. Ah, bonjour. Alors, vous avez découvert mon petit secret? C'est terminé, Scott. Tous ces enfants tués uniquement pour trouver un père capable de sauver son fils. Taisez-vous! Vous ne savez rien. Il reste encore un enfant. Il est peut-être encore temps de sauver ce gamin. Sauvez-le, Scott! Faites ce que votre père n'a pas su faire. Pas con. Entrez là-dedans.
C'est creux là. C'est creux. Attends, pas, il doit y avoir un truc pour casser. On sait où c'est creux. Qu'est-ce que t'as là? Hop. Mayday, mayday. Ouais, prends ça. Bordel! Putain. Putain. Il a mis le feu, cet abruti. Putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais là, mais... Ah! Là, 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 là! Là, là, putain, mais... Mais j'arrive pas à la contrôler, c'est relou! Là! Allez! Allez! Non! Vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y, barre-toi! Allez! C'était bâtard. Mais non, t'es sérieuse? Allez! Ah, ça va cramer quand même. T'es nulouche ou quoi? Si je saute, je vais le tuer. Il doit y avoir une meilleure solution pour sortir d'ici. Une échelle, hein. Il n'y a pas une échelle d'incendie. Et pas sauter. Pas sauter. Allez, secoue, 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 secoue. Mais je fais que ça là. Suis-moi quoi. Elle est où la sortie là? Quoi? C'est trop haut. Si je saute, je vais me tuer. Non, j'en peux plus. Il doit y avoir une meilleure solution pour sortir d'ici. Pas sauter, pas sauter. Carré. Allez. Je sais pas où elle va là. Pas du tout. On n'a pas pris la bonne porte, putain. Attends. Je vais faire la bonne porte. C'est ça. Non, on veut se cacher. Carré. Carré. X. R1. Vas-y, pète maintenant. Thank you.
Non, mais dites pas que ça l'est sorti. Mais comment elle s'en est sortie? C'est comment elle... Comment c'est possible? Comment c'est possible? Appelle les flics, dis-leur que c'est à Roosevelt. Appelle Ethan. Je sais, Wishun. Il faut que je prévienne Ethan. Il n'est pas en prison, Ethan? Refuge glacial. Je suppose qu'il y avait d'autres options. On est sur le dénouement là, je pense. C'est la fin. Après le petit plan que j'avais, je crois que c'est le dernier chapitre. Son père qui puisse le sauver. Ah, c'était ça le délire. J'espère qu'un père arrivera à se sacrifier pour sauver son fils. Chaque fois qu'ils échouent, c'est comme si mon frère mourait une nouvelle fois. Alors pourquoi tu t'affiches ça, abruti? Vous avez détruit des vies, Scott. Et pourquoi? Pour rien. Juste pour apaiser votre peine. Il faut que ça s'arrête maintenant. Vous savez bien que votre peine ne vous quittera jamais. Vous ne comprenez pas. Tout ce que je veux, c'est savoir s'il existe un père qui aime assez son fils pour lui sacrifier sa vie. Après, je sais que je retrouverai la paix. Non, pas du tout. Je vous comprends bien, Scott. Il n'y a rien de plus dur que de ne pas être aimé par ses parents. Il a dû vous falloir beaucoup de courage. C'était pas du courage. C'était de l'amour. J'ai tenu la main de mon frère pendant qu'il se noyait. Je sais ce que vous avez enduré, Scott. Vous avez perdu votre frère jumeau. Il était la seule personne au monde qui vous comprenait, à qui vous pouviez parler. Elle est pas mal psychologue quand même. John et moi étions comme une seule personne. Quand il est mort, comme si une partie de moi venait de disparaître. Votre père était alcoolique. C'était juste un pauvre type trop imbibé d'alcool pour pouvoir sauver son fils. Fermez-la, vous ne savez rien de ce qui s'est passé, vous entendez? Rien. Mon père nous cognait du matin au soir. On était des objets pour lui. Des choses sans importance. Il a laissé mourir mon frère. Merde, c'est raté. C'est raté, on peut pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pars? Faut sauver le gamin. Pourquoi t'as pas prévenu le flic aussi? Ah!
j'ai sauté. Ah, c'est raté, je crois. Ah. Il a un flingue. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a un flingue. C'est un cul-de-sac. Je me suis paumé moi-même. J'ai fait rond pour ça. Elle a qu'une jambe qui se gère. Donne-lui un coup. Carré. Allez, dépêche-toi. Donne-lui un coup. Marche sur les mains! Ah putain, elle est con. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi tu te. Mais. Tu comptes faire quoi là? Dans la gueule. Oh là, il est costaud. Attention, il va falloir être un réflexe, je pense. Il va falloir un réflexe. Oui. Le retiens pas. Marche sur les doigts! S'il vous plaît. Non! Aidez-moi! Marche sur les doigts! Qu'est-ce que je fais? Non. Sauve-moi! Non. Je t'en supplie. Sauve-moi. Non. T'es un enfoiré. Laisse-le clamser! Marche sur les doigts! Yes. Ça, c'est bon. C'est ça qu'on veut voir! Il va se noyer en plus! Yeah. On est cruel quand même. On a quand même laissé crever deux personnes. On est un petit peu intraitable. Non. Ah merde. Dépêche-toi. Allez. Sauve le gosse. Si on sauve le gosse, on a réussi notre jeu. Allez, Malison, dépêche-toi. Allez, attrape-toi ce gamin. Allez. Faut le faire cracher la flotte là. Le gamin, ça fait 3 jours qu'il est dans l'eau. Il respire plus. Oh merde, il respire plus. Hera, vas-y. Et là, massage cardiaque. Allez. Allez. Respire. Allez. Oui. Allez, on y croit. On y croit. Allez. Allez, respire. Ah. Yes. Merci. Pas sûr qu'il est mort l'autre. On l'a laissé tomber, mais...
pas sûr qu'il soit mort en vrai. C'est le soulagement ce matin après que la police a annoncé avoir retrouvé le petit Sean Mars vivant. Héros de Heavy Rain. Après sa disparition, le petit garçon était séquestré dans un puits. Sean sauvé. Yes. Trophée obtenu. La police a salué le courage et l'abnégation de Madison Page, une jeune journaliste qui enquêtait sur le tueur. Excellent. Excellentissime. Page a été une personne clé dans la résolution de cette affaire. À la une aujourd'hui. Finalement, la police est parvenue à identifier le tueur aux origami. Il s'agit de Scott Shelby, 48 ans, un ancien lieutenant de police devenu détective privé qui prétendait avoir été mandaté par les familles des victimes pour enquêter. Scott Shelby a été tué pendant l'opération dans des conditions qui n'ont pas été révélées pour le moment. Ah. Excellent dénouement. Moi, je pense qu'on a eu une plutôt bonne fin. Bon, à part qu'on a perdu l'agent du FBI. Mais sinon, c'est pas trop mal, je pense. À vous savoir qu'il y a 7 fins différentes. Vous êtes libre. Je pense que j'irai les voir puisqu'ils sont disponibles sur internet. Comme ça, je verrai si j'ai une bonne. Si j'ai eu une bonne ou une mauvaise fin. Je pense que c'est plutôt pas mal. Là, on a sauvé le gamin. Ça faisait des semaines que Sean t'attendait. J'ai pensé que ça te ferait plaisir de le voir dès ta sortie. Toi, ta gueule. Pas de blague. Ethan, je... Ouais, bah, t'es désolé, mais... Ça n'empêche que t'es une sacrée connasse. Tu me laisseras plus jamais, hein, papa? Je te le promets, Sean. Je suis sûr que quand je vais regarder les rushs, je vais voir que le... Je vais voir que le flic, en fait, c'est bien le... Je suis sûr qu'il y a un flic. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un... de me rappeler d'un flic. Et ça se trouve, c'était bien lui, quoi. C'est énorme. On le saurait depuis le début, en fait. Depuis le début, on pourrait... Largement bon, gagnante du coup, prochain prix Pulitzer pour bon, sa série d'articles d'investigation remarquable sur le tueur aux origamis. Le courage extraordinaire dont elle a fait preuve a permis d'arrêter un dangereux psychopathe et ainsi de sauver la vie d'un enfant. J'ai l'honneur de recevoir ce soir l'héroïne de tout un pays, Madison Page. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous décrit... comme quelqu'un de tenace et déterminé, des qualités indispensables dans le journalisme d'investigation. Lors de votre enquête sur cette incroyable histoire, vous est-il arrivé d'avoir peur? Bah, un peu, quand même. Ah, elle a écrit un bouquin, d'accord. Journaliste de votre trempe, mademoiselle. Heureusement que vous étiez là pour arrêter ce salaud. Merci. C'est à quel nom? Vince. Belle enquête, mademoiselle Page. Vous avez montré beaucoup de courage. Je parie qu'il va y avoir Ethan. Un meilleur adversaire, quelqu'un de plus féroce. What? Mais sérieux? Sérieux? L'enterrement a lieu dans 2 jours dans je ne sais quel trou paumé de la grande banlieue de Washington. Et il faut que j'y assiste pour des histoires de protocole. Je préférerais éviter. On peut dire que lui et moi, on n'était pas très proches. Bon, ça, on a raté par contre. Pas de problème. Je comprends. Ça, on a raté. J'ai encore ses lunettes, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je crois qu'il ne va plus en avoir besoin. Faites-en ce que vous voulez. Ah ouais, bon, on n'a pas vraiment la bonne fin, je pense. On n'a pas la fin parfaite.
on a une fin correcte, mais pas parfaite. Parce que je pense qu'il y a moyen de sauver ce gars-là, là. Pas parce que ça fait des effets chelous en vrai. Ah, il est bête. Ah, je t'avais prévenu. Ah, désolé Scott. Hein. I want to see them again. I'm a father too. Enfin, je pense. Je pense que c'est les passages clés où on a fait autre chose. Ça nous montre ce qu'on n'a pas fait, quoi. Ah, c'est énorme. Alors, ah, on a un peu. Ok, bah, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez kiffé le let's play. On fera très certainement, peut-être dès demain midi, j'ai fini ce jeu. Lâchez-moi un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà le cas. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.